Yone, incroyable petit leurre, coulant, il peut être ramené très très lentement. Il intéresse tous les carnassiers. Andou, flottant, il nage dans 30 cm d'eau. Lui aussi peut être ramené très lentement. Truite en réservoir, Black et Perche sont ses victimes. Paladum, un petit leurre de surface à la nage zigzagante appuyée. Sa densité permet de lancer facilement malgré sa taille. C'est une nouvelle technologie de fabrication. Pure, cuillère ondulante qui peut faire la différence lorsque les poissons boudent les leurres durs. Elle est efficace en rivière comme en eau dormante. Camenusie, gros insecte en surface ou petite tortue, elle ne vous laisse pas indifférente, les carnassiers non plus. Towadi, le plus petit de nos leurres de surface, sa face concave produit de belles bulles dans son sillage. C'est un aimant supplémentaire pour certains carnassiers. Troutine surgeur, grand frère du hissé minot, il existe en deux grammages. Sa partie ventrale, plane et plombée, le fait osciller, flanc sur flanc relâché. Camion dredge muni de billes bruiteuses. 3,20 m, c'est la profondeur maximum qu'il peut atteindre. Il peut racler le fond sans s'accrocher grâce à sa balaie. C'est ce que l'on appelle le bottom tapping. Chuck Pop, ce n'est pas seulement un popper. La forme très étudiée de son nez lui permet sur de courtes tirées de zigzaguer. Walking the dog pour les spécialistes. Cacoun SP muni de billes bruiteuses, leurre de surface suspendue. Il nage sur et sous la pellicule, ce qui décide très souvent un poisson méfiant. Du loup de Méditerranée au perche de Brénélie en Bretagne, rien ne lui fait peur. Sticky muni de billes bruiteuses, le leurre de surface par excellence. Doucement ou rapidement, il conservera sa nage dans toutes les situations. Bel effet de rolling flanc sur flanc. Mébapen, tous les coloris disponibles sont translucides car le mébapen imite l'alvin près de la surface. Son poids de 3 g permet une utilisation aisée.